J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. J'espère que vous avez passé une super journée. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Si vous me voyez bien, normalement, ça va aller. Mais est-ce que le son est bon? Que je vérifie avant de commencer. Normalement. Ça, je dois passer dans le groupe, je vais vérifier au cas où. Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Ouais, il y a un décalage. Hop. Donc normalement, je suis dans le groupe. Alors, qui est là? Qui est là ce soir? Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire? Alors, je le redis, hein, quand vous mettez un commentaire, mettez votre prénom à chaque fois devant pour que je puisse savoir qui est-ce. Comme là, OK. Vous voyez, il y a Facebook User, donc je ne vois pas qui m'a répondu. C'est Catherine. OK, bonjour Catherine, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous avoir ce soir. Ok, super. Bon, bah écoutez, super. Donc, je vais attendre deux, trois petites secondes encore avant de commencer. Le sujet de ce soir, eh bien, on va parler du pouvoir de l'intention et de l'action. Et vous allez voir que c'est important et de l'action. Donc, c'est un live qui ne va pas durer très longtemps, je pense 3 quarts d'heure, voilà, une demi-heure, 3 quarts d'heure, je pense. S'il y a des questions, ça peut durer un peu plus longtemps. Enfin, voilà un petit peu en termes de durée, combien de temps ça va durer. En tout cas, si ça dure 1 heure, ben ça dure 1 heure, pas de problème. Donc voilà. Donc le sujet, le pouvoir de l'intention et de l'action pour se libérer soit des troubles alimentaires, mais aussi de l'alimentation émotionnelle. D'accord? Donc au programme, on va voir donc, le pouvoir de l'intention. Je vais vous expliquer eh bien, ce que c'est l'intention et comment elle se différencie simplement enfin, par rapport à un simple désir, mais aussi du souhait. Donc là, on va voir vraiment que, il y a une différence. Bonjour Sylvie, ça me fait plaisir de vous voir. Donc là, on va voir là, ça, d'accord? Donc on va aussi parler eh bien, donc, du rôle de l'intention dans la guérison. On va parler de l'importance de l'action, l'importance forcément de l'intention, forcément. Et on va parler aussi eh bien, de la synergie entre eh bien, l'intention et l'action. D'accord? Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout simplement, c'est des choses que je vois régulièrement, ça je vous le redirai, mais je le vois régulièrement dans les soit au début d'accompagnement, soit pendant les rendez-vous téléphoniques, les appels clarté. D'accord, de 20 à 30 minutes, des fois un petit peu plus. Voilà, peut-être que vous avez bénéficié. Voilà. Donc, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce qu'il y a peut-être des nouveaux ou des nouvelles dans le groupe. Donc, moi, je suis Grégory Richard. Je suis psychopraticien en psychoneuronutrition. Je suis spécialisé dans les troubles alimentaires et l'alimentation émotionnelle, donc depuis 2013. Je téléconsulte aussi bien en France qu'à l'étranger, donc j'ai différentes certifications. Je suis certifié forcément en nutrition, je suis certifié en EFT, je suis maître praticien en PNL, je suis certifié coach en neurosciences. Certifié en analyse transactionnelle, en énéagramme. Bon, voilà, voilà un petit peu.
Donc, ça me permet, si vous voulez, avec les outils, eh bien de pouvoir aborder différents sujets qui sont importants, soit dans les troubles alimentaires ou dans l'alimentation émotionnelle, parce que ça me permet de comprendre la psyché humaine, de mettre en place certains mécanismes, etc. Bon, je ne vais pas aller plus dans les détails, mais voilà un petit peu. D'accord ? Donc, pourquoi il est crucial de comprendre l'impact de l'intention et de l'action pour se libérer des troubles alimentaires ou de l'alimentation émotionnelle ? Eh bien, c'est tout simple, parce que l'alignement de l'intention et de l'action, eh bien, est essentiel. Lorsque l'intention et l'action sont alignées, ça crée une dynamique. Une dynamique qui va être puissante et qui va favoriser la guérison et le développement, eh bien, de routines plus saines. Et le routine plus saine est important parce que, on va voir par la suite, mais on ne peut pas créer de routine si on ne passe pas à l'action. D'accord ? Donc ça, c'est un premier point. Donc le premier point qu'on va voir, c'est qu'est-ce que l'intention, parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est déjà l'intention, et comment elle se différencie entre le simple désir ou un souhait. D'accord ? Donc, on pourrait dire que l'intention, eh bien, c'est peut-être défini comme un état d'esprit qui va être vraiment déterminé. Vous voyez, à une personne fixe, elle va, comment vous expliquer, elle va avoir un but vraiment spécifique, va avoir un but bien précis qu'elle souhaite vraiment atteindre. D'accord ? C'est là où la grande différence avec un simple souhait ou un simple désir. OK ? Par exemple, l'intention, on est actif et ciblé. On va avoir des décisions qui vont être conscientes et on va prendre une direction qui va être vraiment claire. Et vous allez voir la différence. Alors que le désir, eh bien, c'est quelque chose de passif. Et souvent, et la plupart du temps, quelque chose qui est vague. Donc, vous voyez, on pourrait éventuellement confondre, on pourrait confondre entre le désir et l'intention. Mais l'intention, c'est vraiment quelque chose de concret. Par exemple, parce que je vous ai préparé un petit exemple, par exemple, dans les troubles alimentaires, eh bien, un désir, ça peut être, par exemple, se sentir mieux. Si je pose une question, tiens, qu'est-ce que vous souhaitez ? Il y a même le mot, qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple, changer, etc. Eh bien, un désir, ça peut être se sentir mieux, par exemple, ou améliorer sa santé. Alors que l'intention, la grande différence, c'est que l'intention, eh bien, serait de suivre un plan pour travailler, par exemple, sa confiance en soi, ou de consulter, eh bien, régulièrement un thérapeute, par exemple. L'intention est accompagnée d'une planification et une réelle volonté d'agir, contrairement simplement au souhait. Okay, c'est ce qui la rend plus puissante et donc plus de possibilités à avoir des résultats concrets. D'accord ? Donc ça, c'est une réelle intention. Et vous allez voir que après, quand on met en plus l'action par-dessus, c'est ultra puissant. D'accord ? Est-ce que ça vous parle déjà ? Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire ? Est-ce que c'est clair ou c'est un petit peu confus ? Mettez-moi en commentaire. Si ce n'est pas clair, je reviens dessus. Alors, mon intention est d'être accompagné avec des résultats. OK, super. Et du coup, qui a écrit ? Parce que je ne sais pas. N'oubliez pas de mettre vos prénoms juste avant votre message, que je puisse savoir qui m'écrit.
À chaque fois, vu que normalement, vous avez une petite case pour accepter. Si vous n'avez pas accepté, à chaque fois, ça va être. Ça va être. Je ne veux pas savoir. Hélène, OK. Donc, mon intention est d'être accompagnée avec des résultats. OK, super. Donc, si c'est clair, on continue. Donc, ça, je vous l'ai dit. Donc, l'action. Donc, on a vu l'intention d'un premier point. Deuxième point, on va voir l'action. Donc l'action, bah, nous sommes vraiment dans la partie exécutif, d'accord? La partie exécution concrète d'une tâche. Et puis aussi le comportement. Tout ce qui vise à atteindre, eh bien, un objectif spécifique qu'on a déterminé avec l'intention. Contrairement à l'intention, qui est simplement une pensée, un plan. Et l'action, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la mise en œuvre. Donc ça, c'est pas compliqué à comprendre. Donc ça veut dire qu'on va avoir l'intention, on va dire, tiens, moi je veux faire ça, voilà, je veux par exemple retravailler sur ma confiance en moi et je veux me faire accompagner. La mise en action, eh bien, c'est de trouver le thérapeute et commencer les séances. OK? C'est le passage de l'idée à la réalité. Ça, je pense que c'est clair. Par exemple, si l'intention est d'avoir une relation plus saine avec la nourriture, retrouver une estime de soi, gérer ses émotions, eh bien, l'action va se manifester par des étapes concrètes, comme retrouver une sensation de rassasiement, participer à des séances d'accompagnement, par exemple, ou travailler son monologue, ou tout simplement faire partie, ce que vous faites là ce soir, c'est super, vous passez à l'action, vous êtes là ce soir et vous regardez ce live. D'accord? Donc là, on s'aperçoit bien que l'action, eh bien, est essentielle pour concrétiser tous les changements ou améliorer en tout cas la situation. Ça, je pense que vous le comprenez. Et malheureusement, beaucoup de personnes oublient de passer à l'action et restent dans un désir. Moi, je le vois tous les jours. Hein. Je le vois tous les jours. Donc, est-ce qu'on est sûr de réussir? Par contre, ça c'est une chose qui est importante. Est-ce que le fait d'avoir l'intention et de passer à l'action, est-ce que ça va nous faire réussir à chaque fois? Non. Non. Ça c'est OK. Par contre, une chose est sûre, c'est que 100%, écoutez bien, 100% des personnes qui ont ni d'intention, ni d'action concrète, mais simplement un souhait, n'atteindront pas leur objectif. 100%. Donc là, vous pouvez être sûr, c'est 100%. Donc la question, c'est est-ce que je vais avoir une intention forte et passer à l'action avec quand même une grande chance d'y arriver? Ou alors je ne fais rien. Par contre, si on ne fait rien, si on n'a pas d'intention, là, c'est sûr, on n'aura aucun résultat. D'accord? Aucun résultat, ça, c'est sûr. Après, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, c'est OK. Moi, l'intention, l'action, je l'ai. Je l'ai tous les jours. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai envie de réussir des choses. Donc, j'ai l'intention, je trouve les actions, je les mets en place. Des fois, je me plante. Des fois, je n'y arrive pas. Par contre, c'est un apprentissage. D'accord? Par contre, c'est un apprentissage. Pourquoi? Parce que quand vous avez eu l'intention et que vous avez mis des choses en place et que vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif, qu'est-ce qui se passe? On se pose les bonnes questions. Déjà d'une, on se dit, j'ai été courageux ou courageuse de passer à l'action, alors que d'autres, eh bien, vont ne rien faire. Et de deux, j'ai appris, même si j'ai échoué, pourquoi j'ai échoué, comment je peux faire la prochaine fois, ce que j'ai réussi à mettre en place, je le reprends,
et je vais le retransposer sur une autre action identique. Ça veut dire que vous progressez, contrairement à une personne qui ne va pas passer à l'action. D'accord? C'est pour ça que j'invite vraiment les personnes à passer à l'action, même si elles ne réussissent pas. D'accord? Parce que c'est le travail, c'est la décision que vous avez prise de passer à l'action qui est importante. C'est très important parce que ça vous permettra de passer à l'action encore une fois, plusieurs fois après. D'accord? Parce que vous n'allez pas rester, par exemple, sur vos peurs. OK? Je vous avais préparé, donc ça, je vous l'avais fait déjà. Donc, en résumé, par exemple, vous voyez, c'est assez court. Donc, en résumé, ça va être définir un objectif qui va être clair. D'accord? Définir un objectif qui va être clair. Ça, vous pouvez le noter, hein. Si vous avez de quoi noter, vous pouvez le noter. Comment faire? De l'intention à l'action. Définir un objectif qui est clair. Passer de l'intention à l'action en planifiant des actions précises. C'est-à-dire, j'ai une intention, quelles actions je vais mettre en place? Vous mettez votre intention et en dessous, vous mettez les actions que vous pouvez faire. Peu importe s'il y en a, vous en mettez, vous en mettez, vous en mettez, vous en mettez, et vous prenez la première et vous la faites. Et vous la faites. Après, quand vous aurez fait celle-ci, vous faites la deuxième, et ainsi de suite. D'accord? Deuxième point. Troisième point, faire de petits pas. Ce que j'appelle l'effet cumulé, qui est un très très bon livre que je vous invite à lire. Ou à écouter parce que vous l'avez en audio. L'effet cumulé. C'est un de mes livres préférés et c'est un des livres que je mets en pratique tous les jours dans ma vie de tous les jours. OK? C'est-à-dire que vous allez mettre en place des petites choses chaque jour. Peut-être que dans un premier temps, eh bien, vous n'allez pas avoir de résultat. Mais à un moment donné, ça va partir. Contrairement à une personne qui ne fait rien et ça va aller dans l'autre sens. OK? L'effet cumulé. Quatrième point, on va, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va peut-être ne pas réussir à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, malgré qu'on ait fixé un objectif, mis des actions précises, avoir avancé par petits pas, mais ça peut arriver, eh bien, que on ne réussisse pas. Et c'est là où on va créer des ajustements. Ça veut dire qu'on va se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas réussi? Quel était mon état d'esprit? Quelle était mon énergie? Quelles ont été mes actions? Est-ce qu'elles étaient adaptées ou non? Est-ce que mes actions n'étaient pas à trop hautes? Est-ce que mon objectif n'était pas trop haut? Comprenez? Et à l'inverse, quand vous réussissez, et il y en a régulièrement dans le groupe, et je vous dis bravo, quand vous réussissez des paliers, donc les petits pas, célébrez vos réussites. N'attendez pas d'avoir atteint votre objectif. Célébrez les petites marches à chaque fois. Pourquoi? Parce que ça va vous motiver d'aller gravir l'autre marche et d'atteindre votre objectif. C'est ce qui va vous éviter aussi de vous décourager avant d'atteindre le vrai objectif. D'accord? Et un autre point et le dernier, qui est aussi essentiel, c'est d'avoir un soutien extérieur. Pour ma part, c'est facile de le dire parce que je suis le soutien extérieur. Il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres personnes, des thérapeutes, etc. Mais je vois trop de personnes que j'ai régulièrement au téléphone ou même sur les réseaux sociaux qui tournent en rond depuis des années. Qui veulent le faire tout seul ou toute seule, et ça me pose aucun problème. Pour moi, c'est OK. Malheureusement, elle n'avance pas. Donc, c'est pas du temps perdu. Mais en tout cas, on parle de santé. On ne parle pas de quelque chose qui n'est pas importante. La première chose, enfin la chose la plus importante, c'est vous, c'est votre santé.
Et si on n'arrive pas à avancer comme on le souhaite, et si on n'avance pas, très souvent, on régresse. Et on sait très bien l'impact que ça peut avoir et que ça a de toute façon dans les troubles alimentaires ou l'alimentation émotionnelle. Il faut donc se faire accompagner. C'est primordial. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas ce soir. J'espère que ça va vraiment vous aider. D'accord? Je résume, si vous n'avez pas eu le temps de noter. Définir des objectifs clairs, précis. Passer de l'intention à l'action en planifiant les actions concrètes, d'accord, pour atteindre cet objectif. Des petits pas pour avancer chaque jour. Chaque jour, vous pouvez avancer. Chaque jour, il n'y a pas de petits pas, il n'y a que des pas, d'accord? Quatrième, eh bien, la réflexion et ajustement, qui est très souvent, quand on n'y arrive pas, on va dire que c'est un échec. Quand on a une compulsion ou qu'on va manger alors qu'on ne voulait pas, on va considérer ça comme un échec, alors que c'est un ajustement et c'est une progression. D'accord? Cinquième point, on célèbre les victoires. On le dit dans le groupe, on le dit à des amis si, qui sont proches. Il faut le dire. D'accord? Il faut le dire haut et fort. J'ai réussi à faire ça, je suis contente, je suis fière de moi et je vais atteindre encore le prochain cap. D'accord? Et donc le soutien externe, une personne en tout cas, qui est spécialisée dans les troubles alimentaires ou l'alimentation émotionnelle. D'accord? Donc ça, c'est les 5 points. D'accord? Voilà ce que moi, je voulais vous dire ce soir. Et j'espère sérieusement que ça va vous aider. Et que dès demain, vous allez réfléchir à ça, sur ce que vous avez noté. Je reste disponible, hein, évidemment, demain. Si vous avez des questions sur ça, vous revenez vers moi, on en reparle, je vous aiguille et vous pourrez le faire toute seule. OK? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir là ce soir, par rapport à l'intention et à l'action? Dites-moi en commentaire. S'il n'y a pas de questions, eh bien, je vais vous libérer. Vous voyez, ça a été assez rapide, hein, mais voilà, je préfère que vous donniez comme ça du contenu, que ça ne dure pas trop longtemps. Si ça dure 1 heure, c'est très bien, hein, c'est pas grave. Mais au moins là, voilà, une demi-heure. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Vous avez vraiment des informations qui sont concrètes et que vous pouvez mettre en place tout de suite. N'oubliez pas, l'action est indispensable. L'action, c'est ce qui va vous faire avancer. Si vous attendez, vous allez régresser. OK? Attendre, c'est régresser. Là, je vous parle vraiment d'action et de passage à l'action. Peu importe les résultats, passez à l'action. D'accord? Pourquoi? Parce que l'action est importante. Même si vous ne réussissez pas, encore une fois, ça va vous permettre de ne pas rester dans vos peurs. Lancez-vous, lâchez-vous. Et une fois que vous allez vous lâcher, même si vous n'y arrivez pas, eh bien, ça va vous donner l'envie de repartir. D'accord? Ça va vous donner envie de repartir. C'est très intéressant et fait réfléchir. Hélène. Ok, super, Hélène. Alors, en tout cas, Hélène, je vais vous dire un truc. Moi, je suis fier de vous. Je vous accompagne pas. Mais c'est vrai que. Alors, je me permets, je fais une petite parenthèse. Mais en tout cas, Hélène, je ne vous accompagne pas. Mais en tout cas, je trouve que vous faites preuve de beaucoup de résilience, de beaucoup de force. Et sincèrement, ce soir, eh bien, je voulais vous dire que moi, je suis fier de vous. Et vous mettez. Énormément de choses en place et franchement bravo et je vous encourage en tout cas à maintenir le cap parce que vous êtes sur la bonne voie. Sonia, certaines actions ne sont pas faciles à faire. Ah non, ah non, ça je confirme Sonia, il y a des actions qui ne sont pas faciles, mais c'est très facile sur certains points, eh bien
on ne sortirait pas du lot. D'accord? Et si c'était facile, il n'y aurait pas autant de plaisir de y arriver. Donc, Sonia, pareil, vous mettez en place des super choses. Donc, continuez sincèrement. Vous pouvez être fier de vous aussi. Avec plaisir, Hélène, en tout cas. Voilà. Catherine, comment faire? Comment être sûr de faire coïncider l'intention et action, bon choix d'action? Alors, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de bon choix, d'accord, d'action. L'intention, c'est de se dire, tiens, j'ai tel objectif, j'ai vraiment envie d'y arriver, mais il faut que ça soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on dit, tiens, j'ai envie d'être en bonne santé, c'est pas, pour moi, ce n'est pas assez précis. Ou alors après, il faut peaufiner derrière. C'est-à-dire que j'ai envie d'être en bonne santé et donc j'ai envie de revoir mon alimentation, par exemple. Hein. J'ai envie de revoir mon alimentation, mais comment mon alimentation? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour revoir mon alimentation? D'accord? Je sais pas, revoir mes repas, revoir à l'heure que je mange, etc., etc. D'accord? Donc c'est, il n'y a pas question. Comment vous expliquer? C'est pas être sûr. Si vous attendez d'être sûr, vous avez de grandes chances de rien faire. D'accord? Vous allez être sûr quand vous allez le faire. Vous allez vous tromper. D'accord? Vous allez vous tromper à certains moments. Ce n'est pas grave. Vous allez dire, ah ben non, mais je pensais que c'était par là, mais en fait, ce n'est pas par là, c'est par là. D'accord? Donc, vous n'allez pas être sûr. Il faut passer dans l'action. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a énormément de personnes qui ne passent jamais à l'action parce que justement, ils sont pas sûrs. Et si on attendait, peut-être que là, je suis pas trop sûr. Je suis pas trop sûr. Je vais voir, je vais attendre. Et il y en a qui attendent toute une vie. Hein. D'accord? Donc, j'aurais tendance. Vous le savez pertinemment. Quand vous avez une problématique, vous savez pratiquement, même si ce n'est pas sûr à 100%, vous savez la direction. Vous connaissez la direction. Donc, partez dans cette direction. Et si vous voulez, c'est en allant, en pratiquant ce chemin-là, que vous allez justement rectifier un petit peu comme une boussole. Vous voyez? C'est-à-dire que vous marchez, et puis à un moment donné, vous égarez un petit peu du chemin, hop, vous revenez. Eh bien, c'est exactement pareil dans les actions. C'est exactement pareil. D'accord? Est-ce que j'ai répondu, Catherine, à votre question? Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire? Oui, non, j'ai rien compris. Et je réexplique sans problème, Catherine. Alors. Bonsoir tout le monde. Bah, bonsoir. Ça se termine. Oui, j'ai compris. Je vais faire comme ça. OK. De toute façon, Catherine, d'accord, on échange. On échange sur le sujet. Sans problème, avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vous libère. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en profite si vous avez des idées. Alors moi, j'en ai plein, hein, mais si vous avez des idées de live comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou le mettre dans le groupe. Tiens, j'aimerais bien qu'on traite ce sujet, d'accord? Parce que j'ai plein d'idées, mais le principal, c'est que ça vous parle et que, eh bien, que je puisse répondre à un maximum de choses. OK. Eh bien, écoutez, moi, je vous libère. Je vous libère. Ça m'a fait super plaisir, en tout cas, encore une fois, d'échanger avec vous. Je vais peut-être faire un test pour ceux qui le souhaitent. Eh bien, Sylvie, merci Grégory, vos explications sont rapides. OK, merci Sylvie, c'est très gentil. Et continuez comme ça aussi, Sylvie, ce que vous faites, c'est top. Je vais essayer de voir peut-être pour faire en visio. Mais ceux qui ne veulent pas mettre la caméra, ne mettent pas la caméra. D'accord? Je vais voir. J'aimerais bien parce que ça permettrait aussi d'échanger avec les micros, par exemple, de poser des questions, etc. Donc, c'est encore plus interactif et vous ne serez pas obligé
eh bien de mettre les caméras. Donc, je réfléchis à ça, peut-être prochainement. Voilà. Catherine, merci. On échange beaucoup. Bonne soirée à tous. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.